Salut tout le monde, c'est Zoé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est la mise à jour de ce mercredi 10 février. Donc cette mise à jour est tournée ce vendredi 12. Et je viens de finir mes examens. Du coup maintenant on croise les doigts. Et je suis enfin en vacances. Du coup pour cette mise à jour il y a quelques petites nouveautés. Donc pour les soins des chevaux, pour monter etc. Donc on va aller voir ça tout de suite. Il y a aussi un nouvel item dans la boutique Staravi de Morland qu'on ira voir après. Ensuite, il y a 6 nouvelles étoiles dans la forêt furieuse. On ira faire ça à la fin de la vidéo. Et concernant la Saint-Valentin, il n'y aura que les boutiques. Il n'y aura plus d'événements. Donc parce qu'ils sont concentrés sur... le contenu du jeu, donc tout ce qui est mission, etc. Enfin, je suppose. Et j'espère, du coup, parce que tous les chevaux qui sortent, là, ça devient un peu beaucoup. Un peu trop, même. Du coup, pour... donc là, j'ai passé le tutoriel, en fait, parce que j'ai dû me connecter hier en vitesse pour remettre la palefrenière. Du coup, voilà. Donc, j'ai passé le tutoriel maintenant. On peut le recommencer. Donc, si on touche sur la fiche de notre cheval, donc il y a son humeur. Donc là, mon cheval se sent bien. Je suis heureuse de le savoir. Donc les icônes ici pour les soins des chevaux ont tous changé. Donc moi, je les ai faits. Et le petit point d'interrogation ici, c'est pour refaire le tutoriel, mais je ne vais pas le refaire. Je vais tout vous expliquer là maintenant. Du coup, quand on descend du cheval et qu'on clique sur sa tête, alors on peut soit le longer, donc prendre les rênes, monter dessus, le caresser, donc là on peut curer ses pieds, le nourrir, l'abreuver et le brosser. Du coup, le caresser, voilà. Mon petit poney est content. Le guider, donc maintenant il n'y a plus de... Oh, je l'avais jamais fait avec une bride médiévale et sur mon petit poney, c'est trop mignon. Donc là le bouton est le même, mais à première vue ici, le bouton n'a pas changé, donc on n'est pas obligé de cliquer sur sa tête. Donc voilà. Et donc là, je remonte dessus. Et donc je sais pas si la souris est toujours là. Ouais. Du coup voilà, donc ça c'est la petite nouveauté. Ensuite, donc il y aura que les boutiques. Donc on va voir s'il y a une boutique de la Saint-Valentin ici. J'en ai pas vu, je pense. Mais je ne suis pas sûre. Bon, ici il n'y a pas de boutique de la Saint-Valentin, alors je vais directement aller à Morland, comme ça ce sera plus facile. Hop, alors, Morland, où es-tu? Ici. Et il y a encore une nouveauté, j'ai envie de dire. Donc c'est à Pandoria. Donc maintenant, on peut prendre tous les chevaux qu'on veut. Plus besoin du cheval. Enfin, si, tout. Pour les missions principales, il faudra quand même des fois son cheval de départ. Mais maintenant, on peut aller sur Pandoria. Par exemple, je peux y aller avec mon petit poney ici. Donc on va y aller tout à l'heure. Alors, le nouvel item. Hop. Oh, ça j'aimais trop. Je me demandais justement où la fille l'avait acheté. Et voilà, donc c'est une veste. Pas mal du tout. Oh, la forme sur le bras. On dirait, je sais pas zoomer, si. On dirait le triskel d'Antin Wolf, un peu comme ça. Oh, c'est génial. Mais bon, ça fait pas du tout Teen Wolf la veste, mais bon, voilà. Hop. Et donc ce que je voulais acheter, que je n'avais jamais vu, tiens d'ailleurs, je l'ai vu sur une fille, je sais plus quand, et je le trouvais vraiment trop beau. Oh, je l'avais jamais vu. Ça fait longtemps que je suis plus venue, moi. Bref, donc boutique de Saint-Valentin, il y en a une là-bas, justement. Hop, alors. Donc il y a les accessoires d'il y a 2-3 ans même, je ne sais plus. Oh, j'aimais trop la veste, elle était trop mignonne. La robe, on dirait un peu une robe de Noël. Bon, c'est les anciens trucs, comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau. Dommage. J'aurais bien aimé un ou deux nouveaux trucs. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Alors, ouais, les lunettes en forme de cœur, toujours. Ah ouais, il y avait les... Ah, c'était Saint-Valentin, ça. J'ai déjà oublié. Donc, dans les brides. Les petits nœuds roses et rouges.
Ah, il est ceux à carreaux. Et celui-là, celui à carreaux. Mais celui-là, normalement, on était censé le recevoir avec l'émission de Jamie Olivier, je crois. Je suis pas sûre. Et les sacoches, si j'arrive à cliquer dessus. Merci le camion. Eh, ça, je l'avais jamais vu. Elles sont vachement belles avec les petits cœurs comme ça. Enfin, voilà. Donc là, il n'y a que ça. Donc, est-ce que j'ai tout dit? À part les étoiles et Pandoria, je veux dire. Oui. Alors, il y a un sondage aussi sur la page. Sur le site de Starstable, de la mise à jour de ce mercredi, il y a aussi un sondage à faire. Donc là, mais je ne l'ai pas, je l'ai pas encore fait, je le ferai plus tard. Je ne vais pas aller à Pandoria, je vais aller directement fouiller la forêt furieuse. Parce que le temps que je trouve le portail, bonsoir. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas où il est, je vais vite regarder. Alors. Bon, ça va, j'ai mis la vidéo dans mes favoris parce que je connais pas les horaires du portail par cœur. L'horaire, pardon. Voyons voir. Oh, ne me dis pas que je l'ai plus quand même, ce serait con. Ah si, je l'ai, c'est bon, j'ai rien dit. Ok, donc le portail d'aujourd'hui, il est aux Terres Oubliées. Donc voilà. Bon, alors, les étoiles. Donc je ne sais pas si j'ai pas regardé s'il y avait des vidéos sur YouTube ou quoi concernant les étoiles. Du coup, je vais chercher déjà dans des petits endroits. Mais ouais. Ah, je vais peut-être déjà aller fouiller là au-dessus. En plus, j'adore partir à la chasse aux étoiles. Je trouve ça trop satisfaisant. Alors, en espérant qu'il y en ait une là au moins. Donc normalement, il y a 6 étoiles à trouver dans la forêt. Oh, ne me dis pas qu'il n'y en a pas là. Oh. Le problème, c'est que je ne sais pas trop où chercher. Ah. Tiens, là, j'ai jamais été. Ok, on va. Oui, de toute façon. Oh, je vais me casser la gueule. C'est bon, je suis vivante. Bon, au pire, je vous ferai une vidéo à part, en fait. Parce que je connais pas tous les moindres recoins, enfin, pas encore, de cette forêt. Hi! Non, je veux pas être coincée. Ok, bah vous savez quoi, on va aller à Pordorien, on va se faire un petit kiff à Pordorien. Oh là là. Bon, bah, j'ai pas de croisée d'étoiles en chemin. Ouais, donc je vous ferai la vidéo après cette partie, ou alors je la ferai plus tard. Genre beaucoup plus tard, le temps que je trouve tous les endroits. J'avais dit quoi? Les terres oubliées, oui. Donc voilà, normalement le portail est là. Si je... Ouh, il est là, c'est vrai. Voilà, donc normalement on peut y aller avec nos ponies maintenant. Enfin, avec tous les autres chevaux en fait. C'est une bonne chose en fait pour les histoires ou quoi, c'est une bonne idée. Pour les séries. Comme ça on prend plus son cheval de départ. Ouais, donc maintenant on peut vraiment y aller avec tous les chevaux du jeu. Ça, c'est bien ça. Mais n'oubliez pas que pour certaines missions principales, vous devez avoir votre cheval de départ. Hein. Comme ça garde un petit peu de la magie et tout. C'est comme j'avais vu un post sur Facebook. Donc il y a une fille qui était assez mitigée sur la mise à jour de Pordoria. Donc on peut y aller avec tous les chevaux. Parce qu'en fait, ça enlevait un petit peu la magie du cheval de départ. Parce qu'avant, on pouvait y aller qu'avec notre cheval de départ. Il avait un petit plus, quoi. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Mais c'est vrai que en soi, c'est bien. Parce que comme ça, on peut y aller avec tous les chevaux qu'on veut.
Et en soi, et d'un autre côté, ben, pour notre pauvre cheval de départ, il sert à rien, quoi. À part pour certaines mises à jour, et encore. Donc là, je vais vite prendre une petite photo, parce que c'est vachement beau. Hi, j'ai bougé. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà. Oh non, peut-être pas ça en fait. Oh, ça c'est joli. Je vais prendre l'autre. C'était quoi? Ouh là là. C'était ça? Non, non, non. C'était ça. Bon, et là, le temps, il change pas. Donc, voilà. Donc, je ferai donc une partie sur les étoiles dans une prochaine vidéo ou après ce passage. Je ne sais pas encore. Du coup, jusque maintenant, ben, cette vidéo est terminée. Gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!